Hello tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Vous vous demandez pourquoi que j'ai mis dans le titre le champion. Parce que nous allons devenir un champion dans Clash of Clans pour devenir et aller enfin dans la Ligue Champion 3. Ça serait à peu près temps. Dire que mon nom est Champion MMCL. Dans le mot champion MMCL, il y a le mot champion. Dans le mot champion, il vient du jeu Clash of Clans. Parce que dans le temps, avant 2016, avant novembre 2016 plus précisément, il n'y avait pas de ligue légendaire. Titan. Titan et légendaire. Ça n'existait pas. Si vous vous demandez jusqu'à quand environ que je joue à Clash of Clans, le plus loin que je me souviens, le plus loin où que d'un bâtiment et tout le kit. Parce que j'ai décidé de choisir champion à cause la plus haute ligue était la ligue champion. Désormais, ça a changé par contre. Oups. Bon, vous pouvez voir... que ma dernière, j'ai oublié d'attaquer, mais ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai obtenu 26 trophées. Puis j'ai mis deux tours de l'enfer. Bien des choses ont changé depuis, je vous le dis tout de suite. C'est incroyable comment que des choses ont changé. Même pas eu. Il est trop vu grand. Il est trop grand. On va aller dans. On va voir. Aller voir. Oh, je suis deuxième. Le meilleur joueur. Du moins le plus expérimenté. Dans le temps. Quand j'ai commencé. Je vais y revenir. Vous voyez les pièges où sont. Là, il est niveau 2. Il n'y avait pas. Je vous le dis, il n'y avait pas de niveau dans les pièges. Une fois utilisé, il retournait dans le magasin. Et quand une bombe explosait, il revenait là, puis il fallait le remettre à chaque fois. À la longue, ça vient fatigant quand même. On s'en entend. Ça, c'est le plus loin. Et pendant le spécial Halloween, en plus que j'ai embarqué, il y avait une bombe citrouille. Que c'était bien. Ça, c'est dans les débuts que j'ai joué. Puisque le piège squelettique n'existait pas encore. Ça, c'est Halloween, le deuxième Halloween qui est rentré. Si je me trompe pas. Ensuite, vous savez, les mines et les extracteurs, ça n'est pas plus haut que niveau 11. Maintenant, on peut aller jusqu'au niveau 12. Roi-Reine. On va aller, par contre, avec les autres, avec lui. Le roi et la reine étaient au niveau 40 maximum. Ça fait pas longtemps qu'on peut le monter jusqu'à 45. Ça fait pas longtemps. Dans les dernières mises à jour. L'hôtel de ville était niveau 10. Celui que je suis actuellement, c'était le plus haut hôtel de ville. J'étais dans les plus hauts. J'aurais été dans les plus hauts, mais là, non. Tour de sorcier niveau 8. Ça existait pas. Niveau 3. Je dis le maximum des niveaux qui c'était. Ceci, je pense que c'est niveau 11 que c'était. Ça, plus le canon. Je suis pas certain. Ça, c'est sûr que c'était niveau 11. Niveau 8. Ceci était niveau 11. Mais l'apparence des remparts n'était pas comme ceci en lave, était électrique. Ouais, c'était électrique. Grand gardien, ça n'existe pas. Tour de défense aérienne, c'est jusqu'au niveau 8.
Puis l'apparence était différente aussi un peu. Ils ont changé d'apparence en même temps que l'hôtel de ville niveau 11. Mais ça, c'était mêlant. Ceci, pas plus haut que niveau 5, si je me trompe pas. Ouais, pas plus haut que niveau 5. Pas plus haut que niveau 10. Ceci s'arrêtait à la sorcière. Le molosse de lave n'était pas encore là, ni même le bouliste. Lui, si je me trompe pas, c'est niveau 8, le maximum que c'était. Où es-tu? Ceci. Ça n'a pas changé. Oui, on fait quelques améliorations, mais ça, avant ça, c'était pas à notre avantage. Je cherche l'autre. Moi qui soit là. Non. Ah oui. Ceci n'existait pas. Ici. Il n'y avait pas les boutons ici. Ça, je m'en souviens pas. Il n'y avait pas de défi. Tour de l'enfer, niveau 3. Ceci n'existait pas. C'est à peu près ça, quand même. C'est à peu près ça. Il n'y avait même pas encore les guerres de clans. Ça n'existait pas encore. Bien des choses ont changé depuis. Ça n'a pas changé. Étonnamment, ça n'a pas changé. Je pense que c'est une des seules choses qui n'a même pas changé depuis. Je pense. Même l'apparence des troupes ont changé. Il y a bien des choses ont changé depuis. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Beaucoup de choses. Mais maintenant, on avance pour devenir champion 3. Si on va là, Titan est la dernière ligue. Mais non, c'est pas vrai. Ils disent ça, mais il manque le légendaire. Et la raison pour laquelle que j'ai choisi pour ma deuxième chaîne, Légendaire MMCL. Parce que la plus haute ligue actuellement, c'est Légendaire. Ceci était la plus haute ligue dans le temps. Et il n'y en avait que une ligue. Champion. Une ligue en tant que champion. Mais maintenant, ça peut être. C'est 1, 2, 3. Mais maintenant, on va passer de Master à Champion 3. Sachez que ça, ceci est mon dernier record. Ouais. Allons-y. Là, je vais faire une petite ellipse le temps. Que vous compreniez le temps que je trouve un bon flash. Ellipse. J'ai pris une pause de recherche. Je voulais vous dire une chose. Vous savez, l'émission. C'est où? C'est même plus où. Ah. Constant le temps, je pense que c'était là. Je me trompe pas. Dans le temps, ça, on pouvait aller à partir de là, mais plus maintenant. Vous voyez cette mission-là? Anti-artillerie. Artillerie, peu importe. Détruisez 20 aigles artérieurs lors de batailles multijoueurs. J'ai enfin détruit mon premier aigle artérieur. Ah. Bon, de toute façon, il est même pas là-dedans, je pense. Ouais, j'en ai perdu aussi. On s'en entend. Peu importe, je pense qu'il pullouffe depuis un certain temps. Mais quand même, j'ai réussi à détruire mon premier aigle artérieur. Ce qui veut dire. À part là. Oh, vous voyez? C'est vrai, pas là, parce que. Ligue des stars.
devenir un champion, parce que je suis champion MMCL, puis c'est mon destin de devenir un champion. J'ai tout au moins quelque chose. Il n'y a rien de vide. Ceci est très bien. Il n'y a rien de vide. Malgré que j'ai presque tout réussi une mission. Et continuons notre recherche dans le périple de la vie. Ça va coûter cher peut-être en ressources. On joue à 1,4 million. J'ai amélioré aussi ma défense aérienne. Je suis en train d'améliorer cette défense aérienne-là. Au lieu de gaspiller pour améliorer cette archer-là que j'aurais aimé, j'ai décidé plutôt de améliorer ce camp militaire-là pour avoir un tout petit peu plus de troupes. Et pourquoi? Parce que c'est quand même 14 jours. L'élixir noir, j'ai dû améliorer le roi des barbares avant la reine des archers, quand absolument je fais le contraire, parce que la reine des archers est essentielle. Puis j'ai remarqué pendant ce temps-là, au début c'était limite, mais je peux pas vivre sans le roi non plus. Faut que j'aie les deux, absolument. Après ça, une fois champion 3, par contre là, je vais pouvoir améliorer ma reine des archers. Du coup, ça va moins me déranger de baisser parce que je vais redescendre. Je ne resterai pas champion 3 très longtemps. Je vais en profiter par contre un peu, oui. Je resterai pas très longtemps champion 3 et je ne monterai pas de ligue. Je vais vraiment prendre une pause tout simplement parce que je suis beaucoup trop là-dessus des fois. Oh! 17 trophées. Ah, j'aurais pas tout de suite la Ligue Champion. Mais c'est pas grave. On envoie tout. On envoie tout. Ceci, c'est juste pour nettoyer. On envoie ceci pour activer la reine et une étoile. Haha. Pour 5 trophées. Ce qui veut dire qu'il va m'en manquer 2 trophées. Ce qui veut dire qu'on va faire une ellipse d'une demi-heure après ça pour pouvoir essayer d'atteindre la Ligue Champion 3. Et oui, c'est si proche. La Ligue est si proche. Elle n'a jamais été aussi proche que ça depuis. Je vais vous le dire après. Mais elle n'a jamais été aussi proche qu'elle est actuellement. Vous vous demandez pourquoi, vu que j'ai l'étoile, je gaspille toutes mes troupes. Je vais vous dire ceci. Que c'est une victoire. 5. Il m'en manque. Attends un peu. Il m'en fallait 7. Il m'en manque. 2, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il m'en manque 2 trophées pour devenir champion. Tout simplement parce que je prépare ou je fais tout de suite mes troupes. Tout simplement pour ça. Ah, tant qu'à ça, j'ai oublié. Oups. Bon, c'est pas plus grave que ça. C'est juste pour ça. Parce que tant qu'à tout reformer mes troupes, aussi bien de. Au lieu de savoir quelle troupe qui me manque, ou si bien de toutes former mes troupes d'un coup, ça fait l'affaire. Comme ça, je me casse pas la tête. C'est ça. Et c'est mon nouveau record! Ouais.
La Ligue Champion. Je sens la victoire et la victoire d'un champion. Par champion MMCL. Qui est bien sûr moi, évidemment. On va cesser là pour l'instant. On va revenir quand que ce sera le temps d'attaquer pour la victoire. Pour le changement de ligue. Parce que oui, nous allons changer de ligue aujourd'hui. C'est à peu près temps parce que, comme vous pouvez le voir, j'en perds des fois. Celle-là, ça a fait mal. Surtout à un moment donné, dans les défenses, ça, bon, je sais pas si ça fait mal quand même, mais c'est pas le pire. Disons que le pire que j'ai eu, là, celle-là a fait mal. J'en ai eu un autre. C'est ça, tu me fais ça. Et pourquoi? Tu m'énerves. Un autre. Ça m'a aidé beaucoup. Un autre, assez rapidement. Ça, c'est des attaques qui m'aident. Plutôt des défenses réussies qui m'aident encore. Même si moi-même, je baissais par moi-même. J'en ai quand même pas mal. On peut pas dire le contraire. Ça a l'air que je l'ai pas. Il y a eu trop d'attaques ou quoi? Ou c'est ça. Ou sinon je me trompe. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai pas eu. C'est ça. Mais disons qu'il y en a qui font mal. 29, ça fait mal. Très mal. Il me semblait avoir vu un moins 30 quelque chose. Celle-là. Ouais, il me semble qu'il y a un moins 30 peut-être et il est parti. Mais celle-là a fait mal. Et pas à peu près. Ah, j'ai 1 million chacun. 1.5, 1. Yeah! Pour cela, je vous dis ellipse, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ellipse. Nous sommes de retour, et toutes nos troupes sont prêtes. Et oui, toutes mes troupes sont prêtes. Et passons à l'attaque. Cette fois-ci, j'ai besoin que 2 trophées. Mais je refuse pas plus de 2 trophées, bien évidemment. Alors pour ça, je finis notre ellipse pour trouver le bon village. Un village dont je vais être sûr et certain à 100% d'avoir minimum une étoile. Alors pour ça, ellipse. Après patience et persévérance, j'ai trouvé le village idéal pour 5 trophées. Espérons, j'entends me mettre en doute. J'ai bien fait de l'attaquer, oui, non, peut-être. Et oui. Et c'est la victoire! Ouais. La victoire. Et je suis désormais un champion. Bon, pas officiellement, parce que j'ai pas encore fini la bataille. Voilà. Ah, ça fait du bien! Une chance que j'ai assez de troupes pour ça. Une chance. J'ai peut-être pas 2 étoiles, mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai réussi enfin à devenir champion.
tu te dépêchais à succomber, que le canon, le mortier te détruise pour finir. Merci. Et c'est terminé avec 1 minute restante. 5 trophées. Bonus de Master 1, mais c'est le dernier bonus pour un certain temps, bien évidemment. Réussite déverrouillée. Ligue All-Star 3. All-Star 3, je pense. 300 000 chacun. Oh, j'ai eu le bonus étoile de champion 3. Ligue des stars, devenir un champion. 2000. 2000 XP, ou plutôt expérience, plus 2000 gemmes. Oh, c'est tellement fun! Champion 3, niveau de ligue, champion 3. Enfin, pour un bonus par victoire de 1200, ok, si on a 70%, pour avoir 1220 élixirs noirs, 200 000 élixirs et or. La miniature était bel et bien ceci, et ça va y rester pour toute. Pour maintenant, ça va y rester. Juste attends que je monte Titan. Alors, ceci est mon nouveau, plutôt ma nouvelle miniature pour la série Clash of Clans. Ça fait si longtemps. Ah, oh, ça fait si longtemps que je voulais devenir champion. Avant ça, champion, c'était la plus haute ligue. Maintenant, non. 3203 qui est nouveau record champion 3. Puis je suis hôtel de ville niveau 10. J'avoue que si j'aurais été resté hôtel de ville niveau 9, j'aurais peut-être réussi si j'aurais pas autant eu d'échecs. Mais ce qui me sauvait beaucoup, c'est vraiment être hôtel de ville niveau 10. Et pourquoi? Parce que en étant hôtel de ville niveau 10, ça m'a permis d'avoir ces deux Tour de l'enfer, qui est une défense, ma foi, à avoir absolument. Parce que, comme on peut le voir, c'est pas facile, le vraiment pas facile. On va aller voir une ancienne. Bon, le moins 5. Le moins 5 que j'ai vu. Beaucoup aérien, en plus que je suis en désavantage en niveau aérien. On m'avait averti quelqu'un à un moment donné dans l'autobus, oui, dans l'autobus. Quelqu'un qui avait déjà été, puis on m'a averti qu'il y a beaucoup de d'attaques aériennes. Je crois. Je le crois à ça. Honnêtement, là. C'est vrai. Il y a pas mal de d'attaques aériennes. Voulez-vous savoir quoi? Ça fait 3 ans. Vous voyez, un autre aérien. Ça fait 3 ans, mais bien 3 ans, plus de 3 ans même. Pratiquement 3 ans et demi que je joue à Clash of Clans. Puis c'est la première fois que j'atteins le champion. Je suis enfin devenu champion 3. Bon. Je suis enfin devenu champion après 3 ans et demi de jeu sur Clash of Clans. Oh, je suis tellement content. Mais vraiment content. Au moins, j'ai pu avoir le bonus champion 3. Le bonus étoile champion 3. Ça, je suis bien content. Mon nom le dit. Je suis un champion. Je suis champion MMCL. Ok, là je m'en vante peut-être un peu. Mais je suis pour vrai devenu champion enfin sur Clash of Clans.
Justement, je me disais, la journée que je vais être des meilleurs mondiaux, quand je vais être champion des meilleurs mondiaux, on va voir champion même ciel. Malheureusement, ça sera pas le cas pour champion, mais peut-être pour légendaire par contre. Ouais. Parce que maintenant, la plus haute ligue, c'est légendaire. Du coup, je vais reformer mes troupes. Hey, j'ai même pas utilisé de sort. J'ai oublié de l'utiliser. Hey, le stress augmentait. Plus que je changeais de map, de village, plus que le stress augmentait. J'étais capable de le contrôler, mais j'espère que vous comprenez. Ah, je suis tellement content. La nouvelle miniature. Peut-être faire de quoi avec cette miniature. Ouais. Je vais m'organiser de quelque chose pour cette miniature. Alors pour ça, j'espère que vous avez aimé cette miniature. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Ma victoire pour devenir champion. Pour prouver mon nom de champion. Eh oui. On m'avait donné comme conseil de mettre une majuscule pour un champion MMCL. Le C du moins. Mais j'aimerais ça vous dire une affaire. Ça serait peut-être bon, mais une autre personne m'a dit, quand j'ai dit ceci, qu'est-ce que t'en penserais si je mettrais une majuscule, le C majuscule? Il m'a dit clairement que ça détruirait tout. Quelque chose de même. Puis là, ce qui me met en doute de ne pas changer. Je dis que j'y penserai pour la personne que si tu te reconnais. Je suis désolé pour toi de pas. J'ai retenu ta suggestion, mais ma décision finale, c'est pas parce que c'était pas une bonne idée ou quoi que ce soit. Peut-être ça aurait. Mais on m'a donné un avis convaincant. J'ai jamais mis en majuscule. Et aussi une autre affaire que je pense à ça. Champion. Le mot champion ne prend pas de majuscule. Pourquoi? Oui, c'est sûr que ça deviendrait un nom propre, mais de notre côté, avoir une majuscule pour un mot qui absolument n'a pas de majuscule, pour ça, je ne mettrai pas de majuscule. Mais encore merci pour cette suggestion. Je vais essayer de l'appliquer le mieux que je peux. Certains, je vais pouvoir, mais d'autres, peut-être moins. D'autres que je vais essayer de faire des efforts. Mais c'est ça. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Même le criquet, même pas là. Dommage. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.